À travers le monde, plus de 700 millions de femmes et de filles sont victimes de mariages précoces avant l'âge de 18 ans. La pauvreté étant l'un des principaux moteurs de ce phénomène, il est plus répandu dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Au Niger, 5 millions d'enfants sont mariés, dont 1,9 million avant l'âge de 15 ans, les filles représentant 89% de l'effectif. Si les filles n'ont pas accès à l'éducation, si les filles n'ont pas accès à ce système leur permettant de prendre en compte leur voix, leur permettant de s'épanouir, leur permettant d'agir comme ça se doit au sein de leur communauté, ça risque de continuer, de persister et d'amener les filles encore et encore dans ce problème. Il faudrait que le gouvernement quand même pense à appliquer de manière stricte les lois, les conventions qui ont été ratifiées. Le mariage des enfants concerne tant les garçons que les filles, mais ces dernières sont les plus touchées. Selon l'UNICEF, au cours des prochaines décennies, 10 millions de filles avant l'âge de se marier risquent de se retrouver enfants mariés. Cette violation pourrait s'expliquer par la précarité des familles, le faible niveau d'éducation et surtout le maintien des traditions sociales et religieuses dans certaines sociétés. Je pense que la meilleure manière pour le pays de mettre fin à cette situation, c'est d'abord construire des centres d'accueil pour les filles. C'est permettre aux filles d'accéder considérablement à l'éducation. Parce qu'on dit que le mariage d'enfants constitue le premier phénomène de déscolarisation des filles. Donc veiller à l'éducation des filles, veiller à la scolarisation des filles, veiller au maintien des filles à l'école, c'est très important. Organiser des campagnes de sensibilisation, de témoignage des victimes de mariage d'enfants. Développer des activités économiques au sein du pays. Parce qu'au-delà de l'éducation formelle, il faudrait penser à l'éducation informelle. Cette pratique, lourde de conséquences, expose la jeune fille à un risque accru de violences sexuelles, physiques et psychologiques, des conséquences connexes. Mettre fin au mariage des enfants nécessite l'application des lois visant à lutter contre cette pratique tout en réduisant le fossé des inégalités hommes-femmes, selon le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA.